quel bonheur d'être dehors dans le jardin. Merci beaucoup d'être venu, merci sincèrement. Je ne sais pas si peut-être il y en a qui connaissent l'histoire de l'espèce d'objet étrange dans lequel je me trouve, cette véranda sans maison. C'est l'architecte Pierre Thibault qui a conçu, à la demande des jardins, cette structure, cette œuvre, pour célébrer les 20 ans de leur amitié à Alexandre Efford ici et Pierre Thibault, l'architecte. Plus je la repense, plus je la trouve inspirante, en fait, cette maison comme maison, cette maison ouverte. Très beau, on est dehors, puis on a quitté la ville, puis ça y est, on est rendu dans un conte pour enfants. Un jour l'usine meurt et des milliers d'hommes chôment s'exilent la rage au cœur loin de la ville fantôme. Quand vient la première nuit sans lampadaire ni fanal, le grillon voit tout ébloui s'allumer 100 milliards d'étoiles. L'annonce rouge d'un bas prix m'a procuré un frémissement. Avant d'acheter, je me suis assis sur une bonne quinzaine de divans. Une toune quétaine à la pharmacie m'a parlé de moi mieux que mon psy. Et dans ma tête, une petite voix m'a dit « Hey, regarde, je suis rendu ça. » J'ai pas fini de faire la paix avec tout ce que je suis pas, ni avec tout ce que je suis pas encore. Des fois j'en oublie la joie d'être en vie, la solitude heureuse du capitaine la nuit. Qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Mon kid qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Le monde tout seul. J'ai pas fini d'avenir au monde dans mon petit jardin, ni dans les secrets de nos corps. Au début de mes mains, au début de ma voix, à l'aube de la sève et des combats. Qui regarde le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Nos kids qui regardent le monde, c'est encore plus beau que le monde tout seul. Le monde tout seul.